Bonjour à tous et bienvenue, nous allons parler de Anthem après le patch 1.0.3. Alors, il y a des bonnes choses et j'ai été surpris. Alors je sais que je vois tout le temps tout en noir, machin et tout ça. Je sais que je vais me prendre des commentaires. Oh, j'avais dit que ça allait être de la merde. Il y a des bons points, il y a des points positifs que je n'avais pas vus. Mais il y a quand même des points négatifs par rapport aux titans, on va en parler vite fait. Alors, je vais juste faire ça parce que je veux clore ce sujet des titans, tout ça. Les titans, c'est un peu, honnêtement pour moi, c'est un peu comme le commando. Le commando, c'est l'emblème de Anthem parce qu'ils utilisent eux dans la jaquette du jeu et tout ça. Le titan, c'est un peu le monstre aussi du jeu, genre l'antagonisme méchant qu'il faut combattre, la bête ultime. Les titans sont devenus une merde absolue. Et faut être honnête, je vais vous mettre des vidéos, tout ça. Donc j'étais en partie libre en GM1. Je les one-shot avec l'ulti. Alors c'est les titans de l'événement en ce moment. Donc si vous en tuez 4, vous avez un vinyle en plus. Je sais pas s'ils sont considérés comme des légendaires. En tout cas, j'ai fait les 4 et c'était du nul. C'était complètement nul. Mais j'avais beaucoup plus lutté en fait avant le patch. Mais du coup, j'ai regardé un peu, si vous regardez en fait, ne regardez pas les dégâts complètement démesurés que je fais et les trucs que je les vaporise en une fraction de seconde, c'est pas vraiment ça l'important. C'est là, en fait, les esquives avec les boules de feu qui sont extrêmement faciles maintenant, et les points faibles en fait, les points faibles sont vraiment trop exposés. Ils ont pas rajouté genre 50% de temps, j'ai l'impression qu'ils ont complètement doublé en fait le temps d'exposition des points faibles et tout ce qui est petit titan, les jeunes titans, donc jeunes titans, genre un jeune titan légendaire à un moment dans une mission, le truc je l'ai one shot. En fait, tout est ouvert, tous les points faibles sont ouverts, donc j'ai fait le barrage du commando et ça l'a vaporisé. C'est un peu con, c'est vraiment un peu con d'avoir fait ça, je trouve. Honnêtement, ils auraient peut-être dû régler le problème de la boule de feu, le problème de la hitbox, des anneaux. D'accord, ok, ça oui, je suis complètement d'accord, parce que c'est fixé le jeu. Mais le coup d'avoir augmenté le temps des points faibles et les dégâts qui se prennent dans les points faibles, ça c'est pire, quoi, c'est le pire. Et comme vous verrez, maintenant on peut continuellement tirer dessus. Ils vont quand même se prendre des dégâts. Ils ont plus une mitigation de dégâts de 100%. Ils ont 70-75%. Voilà. Bon, on clôt ça. Les titans, c'est du passé. C'est révolu. J'espère qu'ils vont rajouter un autre monstre beaucoup plus puissant. Alors, les bons points. Je vais parler maintenant des bons points de GM 1, 2 et 3. Et je vais parler d'un problème, d'un gros problème vers la fin pour le temple des Scar. Et vous savez sûrement de quoi je parle si vous l'avez refait après la mage. Alors, le jeu est devenu plus fun dans un sens, plus fun. Parce que le problème dans ce jeu à la base, c'est que GM1, c'était une fois que vous étiez un peu stuffé avec de l'orange et tout ça, des magistraux et tout. GM1 devenait très facile. Par exemple, moi, les donjons, je les faisais en 20 minutes. 20 minutes, en fait, c'est le temps qu'il te faut pour faire le donjon parce que, bah, du coup, t'as tout plein d'événements, tout ça. Tu peux pas aller plus vite que la musique, vous voyez ce que je veux dire. Mais le GM2 était complètement pété en difficulté. C'était beaucoup trop, en fait. Et donc, le pas entre le 1 et le 2 était complètement démesuré. J'ai regardé des gens qui ont fait le GM3, par exemple, des Scar et de la Reine. Ils ont mis 5 heures, c'est complètement débile, c'est complètement malade. Parce que les monstres avaient énormément d'HP, ils tombaient tous à court de munitions, c'était une catastrophe, Alors maintenant, c'est plus équilibré, honnêtement, c'est ça qui est un peu étrange. Je sais pas si c'est une erreur de BioWare ou alors ils ont fait ça intentionnellement, mais le jeu pour moi est plus équilibré. Alors j'ai fini, donc on a fait GM1, c'était une catastrophe, on défonçait tout, donc on a fait GM2. On a défoncé tout le monde. On a fait le temple d'Escar en GM2. Donc ce que vous voyez, c'est du temple d'Escar en GM2. Les dégâts qu'on fait sont complètement décuplés. Je dirais qu'à la limite, ça va avec un peu la difficulté du jeu. Parce que bon, quand vous prenez des baffes, bah, vous prenez des belles baffes. Vous êtes directement dans le rouge. Et moi, vu que mon commando il est super optimisé, c'est pas vraiment le commando de Aldi, hein, quoi, que vous trouvez au coin de rue. Donc je dois dire que c'est potable. C'est potable, c'est normal que je fasse autant de dégâts, donc c'est bien. Et maintenant, on a fait donc GM3, on a fini la reine, la première forteresse de la reine. On l'a fait en 1h20, à peu près, on était 3. On était encore en train de tester des nouveaux builds, du coup, parce que le jeu a un peu changé, la mécanique du jeu a un peu changé. Et après, on avait un quatrième random qui n'était pas trop bon, il était souvent à terre et tout ça. Donc on a mis 1h20 à peu près.
Est-ce que c'est rentable de faire GM3 maintenant? Alors toujours pas, pas du tout. C'est complètement inutile. Cette difficulté ne sert toujours à rien, c'est ça qui est chiant. Parce que en GM2, on a mis 28 minutes pour faire le temple d'Escar, alors qu'on en met 20 en GM1. Du coup, bon, tu rajoutes 8 minutes, tu as un peu plus de drop. Alors, au passage, je sais pas pourquoi, ils ont enlevé complètement les descriptions de Grand Maître 1, 2, 3. Je sais pas pourquoi ils ont enlevé ça. Il n'y a plus de données en fait. Ils vous disent votre javelin doit être par exemple plus de 675, mais ils vous disent vous aurez plus de chances d'avoir du magistral, ou alors extraordinairement plus de chances. Il n'y a que des mots, il n'y a pas de pourcentage. Personnellement, je suis pas vraiment ravi avec ça. Je vois pas pourquoi ils ont tout enlevé. Donc on sait pas de combien les monstres sont plus forts, plus résistants, les drops, on sait pas vraiment. Donc ça, je sais pas. Ça, j'aime pas trop quand ils enlèvent les données, en fait. Ça veut pas dire... Ça annonce rien de bon la plupart du temps. Enfin, bref. Donc maintenant, le GM2 est vraiment très très simple. On peut le faire avec des gens plus ou moins optimisés. C'est bien. Je pense que la difficulté, quand même, est bien dosée pour le GM2. Après, la difficulté du GM3 est bien aussi. Elle est bien aussi. Par contre, ça rajoute beaucoup de temps, hein, parce que de 28 minutes, on passe à 1h20, donc c'est quand même plus du double. Donc, encore une fois, je dis que pour sauver le cercle de farm, en fait, si je peux parler comme ça, le cercle de farm de Anthem, il faudrait rajouter un légendaire dans le GM3, tout simplement. Parce que personnellement, je préfère me taper un donjon qui dure une heure et demie même. Je préfère me taper un donjon qui dure franchement une heure et demie, un seul, par jour, et avoir une chance de... Enfin, avoir 100% un légendaire à la fin. Je préfère ça que de me taper 5 ou 6 heures de farm par jour sur une difficulté moindre, mais avec un truc complètement RNG. Voilà, une chance sur 1 milliard d'avoir un légendaire. Des fois, vous pouvez sortir pendant 20 minutes en partie libre, vous avez un légendaire. Des fois, vous restez 6 heures dedans, il n'y a pas de légendaire. Donc, voilà. Ça, je pense qu'ils peuvent mettre en... Ils peuvent faire en sorte que GM3 devient vraiment intéressant pour les... On va dire, entre parenthèses, les hardcore, pour pouvoir le farmer. Si il rajoute un légendaire, si vraiment il rajoute un légendaire sur le boss ou quelque part. Parce que là, on a fait GM3, après 1h20, on a fini. J'ai eu 4 magistrales. Les 4, je les ai désossés parce que c'était de la merde. Donc, c'est pas du tout rentable, vous voyez ce que je veux dire. Donc maintenant, ayant fini de parler de ça, je pense que c'est intéressant. Je pense que maintenant, Anthem a vraiment passé un cap et BioWare a fait des bonnes choses. Et je pense que la balance entre la puissance du joueur, les dégâts qu'on fait et les GM, donc 1, 2 et 3, sont beaucoup mieux, beaucoup plus intéressantes. Donc je pense que pour le futur d'Anthem, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Maintenant, on va parler d'un gros point noir. Dans le temple d'Escar, ils ont créé... Alors, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Vous allez voir que dans la vidéo que je vous mets, de temps en temps, en fait, je vais retourner en arrière et regarder. Il y a des murs invisibles qui apparaissent à toutes les salles. C'est une catastrophe. On l'a fait une fois en GM2, le temple d'Escar. On l'a pas refait. C'est pour ça qu'on a fait l'arène, en fait, en GM3. Personnellement, moi, je voulais faire le temple d'Escar, mais laisse tomber. C'est trop dangereux. La première fois que je l'ai fait après la mise à jour, je me suis retrouvé derrière un mur, le coffre était ouvert, j'ai pas pu looter, j'ai pas pu récupérer les objets de mon coffre, j'étais derrière le mur, impossible de me suicider parce qu'en fait la salle était fermée, donc je pouvais même pas revenir en arrière dans le temple d'Escar. À un moment il y a une flamme où c'est que vous pouvez brûler et vous suicider, j'étais bloqué en fait dans cette petite pièce et je ne pouvais pas avancer, pas récupérer mon coffre, et les gens en fait ont dû continuer à avancer, continuer jusqu'au boss. Et là, j'ai pu me faire téléporter dans la salle du boss. Et bien sûr, du coup, je pouvais pas revenir en arrière. Donc ça veut dire que j'ai loupé un coffre et j'ai loupé genre un tiers du donjon. Donc peut-être que j'avais droppé, je sais pas, 3 légendaires, 4 magistrales. On n'en sait rien, on n'en sait rien. Donc ça, c'est un gros problème, BioWare. Là, il va falloir faire... Enfin, faut arrêter de mettre ces putains de murs. Je comprends pas. Expliquez-moi dans les commentaires à quoi ça sert de mettre des murs comme ça, à séparer les zones petit à petit. Il n'y a pas dans l'arène, dans la première forteresse, il n'y a pas, ça n'existe pas. La deuxième forteresse, il y a plein de murs tout le temps. Et la troisième forteresse, de mémoire, il n'y en a pas non plus de murs. Pas trop, en tout cas. Il y a peut-être au début, oui, au début, tu te fais bloquer des fois. Mais voilà, il y en a peut-être 2, 3. Là, il y a tout le temps des murs dans chaque salle, en fait, qui te ferment l'arrière et l'avant.
dans le temple d'Escar. C'est super chelou. C'est super. Je comprends pas. Je comprends pas du tout, quoi. Donc voilà, on va arrêter sur cette vidéo. Je voulais pas vraiment qu'elle fasse trop long non plus. Donc en résumé, bonne chose pour les GM 1, 2 et 3. Je pense que c'est bien, c'est intéressant maintenant. Les titans, non, il fallait vraiment pas les toucher. Surtout avec cette puissance qu'on vient de gagner, il fallait vraiment pas toucher les titans. Et la troisième, il faut fixer le temple d'Escar, mais alors super vite, parce que je comprends pas pourquoi ils ont rajouté des murs, mais partout. Voilà, c'est ça, aucune logique. Sinon, pour ceux, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés par les builds, alors honnêtement, je les vois comme ça maintenant, les trois javelins qui font des dégâts. Intercepteur, de ce qu'on m'a dit, par exemple, la personne qui joue avec moi, Goldo, le mêlée est extrêmement puissant, donc allez-y, go mêlée avec l'ulti, donc si vous pouvez récupérer votre ulti beaucoup plus vite, vous allez faire un carnage, et c'est vraiment safe pour vous, et vraiment safe pour les gens à côté, parce que vous allez taper sur tout le monde en même temps. Le commando, alors je pense que le jouer comme moi est le mieux, c'est d'avoir l'ulti, parce qu'à des moments vous pouvez faire 100k par missile, donc vous faites 1.2 million, parce que vous faites 12 missiles, c'est top. Utilisez les armes comme la vengeance divine. Si vous trouvez la vengeance divine, utilisez-la. Vous allez voir, à des moments je fais 37k par explosion en rafale, donc en fait c'est rafale tout le temps, ça fait une explosion de 37k plus les dégâts des balles, donc en gros ça vous fait entre 40 et 50k la rafale. C'est un peu énorme, c'est un peu pété, mais c'est fun à jouer. Et après, alors le tempête, je crois que le tempête est tombé bas en dégâts, mais il y a une façon de le récupérer. En DPS, donc dégâts par seconde, le commando est très rapide, parce que ça fait du 50k. Le intercepteur est très rapide avec le mêlée et avec l'ulti et ses habilités, donc ça va très très vite, ça s'additionne très vite en fait les dégâts. Et le tempête, par contre, il est à la ramasse. Il est complètement à la ramasse niveau DPS, pour moi en tout cas, le mien, parce que il était très optimisé avant le patch, maintenant je sais pas pourquoi, mais par exemple je fais du 24k pour la foudre qui tombe, là c'est méditation sur l'infini je crois, ce qui est potable, mais il faudrait que je la fasse tout le temps en fait, il faudrait que ça fasse bam, 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 comme ça, mais c'est pas, ça marche pas comme ça, ça va pas assez vite. Par contre, quand j'étais en contrat légendaire, en GM1, j'ai fait mon ulti avec le tempête, j'ai fait 350k de dégâts x 3. Donc je pense que si vous arrivez à optimiser, et j'avais pas de consommable pour l'ulti hein, bien sûr, donc si vous arrivez à optimiser les consommables en fait pour l'ulti, donc utiliser alors, plus 50%, et avoir des aléatoires, des stats aléatoires qui vous donnent des dégâts pour l'ulti, je pense que vous pouvez faire un tempête qui fait du 500k par magie pendant l'ulti, donc ça ferait 3 fois 500k. Et je pense que là le tempête a son rôle. Je crois que son rôle maintenant de tempête, c'est d'utiliser son ulti extrêmement souvent. Le reste, faire des petites magies, tout ça, c'est peut-être pour du contrôle, c'est sympa. Chatouiller les ennemis, c'est sympa. Mais le dégât du tempête reste est dans son ulti maintenant, j'ai l'impression. Donc voilà. Pas encore testé le colosse, je sais pas trop ce que ça peut donner. Mais je crois que les obus maintenant peuvent faire dans les 100k par obus, donc vous en tirez 3, plus si vous avez des composants pour. Et les gros canons automatiques peuvent faire énormément de dégâts aussi en DPS, donc peut-être que maintenant même le colosse peut rajouter sa forme de dégâts à lui. Voilà, ça sera tout pour ce que je pense des javelins de maintenant. J'ai pas encore fait assez de tests, donc voilà. Mais essayez d'avoir ça en tête, essayez de faire des tests sur votre côté. Ça pourrait peut-être être sympa. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Bonne chance pour la suite. Très bonne chance pour la suite. Et Anthem est fun. Pour le moment, c'est fun. J'avoue que, voilà. Il y a encore des problèmes parce que c'est BioWare apparemment. Mais ça devient un peu plus fun. À la prochaine, salut.